Tout de suite dans La Vie en Bleu, que faire si mon travail ne me plaît pas? Insatisfaction au travail, quels sont les signaux d'alerte? On en parle avec Noëlle Mahé, consultante en mobilité professionnelle au cabinet Potentiel. France Bleu, Loire-Océan. La Vie en Bleu, c'est bleu. Gilles Colliot. Bonjour Nolwenn Mahé. Bonjour. Soyez la bienvenue sur France Bleu Loire-Océan. Première question, quand on évoque évidemment ce thème, quels sont les signaux qui doivent m'alerter sur le mal-être au travail? Alors, il y en a plusieurs, et puis l'idée, c'est de surtout pas attendre les plus forts, parce que sinon ça peut. C'est le burn-out le plus fort? Pardon? C'est le burn-out le plus fort? C'est ça. Le burn-out, c'est quand justement on n'a pas du tout écouté les signaux. C'est-à-dire que là, on est plus qu'au bout, on les entend pas, on les a pas vus, et puis on est passé à côté. Ça peut commencer par des choses assez simples, du type l'ennui, quand on s'ennuie au travail, quand on a la sensation, quand on rentre le soir, qu'on n'a rien à raconter. Ça peut être les premiers signaux où il faudrait déjà, en fait, en parler. Il va y avoir d'autres signaux de ce qu'on appelle, nous, la sous-exploitation. Il n'y a rien de polémique là-dedans, c'est juste de se dire, j'ai des compétences qui ne servent pas à mon entreprise, que j'ai envie de développer, que j'ai envie d'exploiter, de mettre sur la table. Voilà, ça c'est le deuxième symptôme. Et puis après, il y a évidemment tout le champ un petit peu dépressif, où on pense à aller ailleurs, où on regarde ce qui se passe ailleurs, on ne sait pas dans quel sens partir. Et là, on tourne en rond, et cette frustration et cette peur du départ font qu'on reste. Et là, on a des risques du coup psychologiques qui sont quand même assez forts. Et puis aussi professionnels, parce qu'en fait, quand on est sous-exploité, quand on s'ennuie, on ne développe pas ses compétences. Et donc, du coup, on devient moins performant aussi sur le bassin de l'emploi. Alors, ça fait peut-être écho à ce que vous vivez, vous qui nous écoutez ce matin. Alors, il est important, on va aborder ce mal-être du côté du salarié, mais aussi du côté de l'entreprise. C'est aussi important. Tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est de savoir qu'il y a des solutions, qu'il y a des points de repère, autant quand on est salarié d'une entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur, mais aussi pour les entreprises qui ont des responsabilités, mais qui ont aussi des outils pour aider à éviter ce mal-être à un poste de travail. Alors, si vous avez vécu ce mal-être au travail et vous avez fait le pas en changeant peut-être d'activité, venez nous en parler. Le témoignage est toujours important, évidemment, dans cette émission. Alors, comment on peut être accompagné si on est mal dans son travail? Je m'adresse à qui? Alors, ça va dépendre de la situation. Déjà, en parler tout court, je sais que ça paraît bête de dire ça, mais en parler à un compagnon, en parler à des amis, en parler à des collègues, c'est important. Parce que plus on va garder pour soi et plus on va minimiser des symptômes qui auraient pu être réglés relativement vite. Après, si j'ai le sentiment que je m'ennuie, tout bêtement, je m'ennuie à mon poste, j'ai envie de plus ou je tourne en rond, c'est bien d'aller à sa RH pour les entreprises qui ont un service RH, puisque généralement, ils sont formés à l'accès à la formation, à la polyvalence. Il y a bien les entretiens annuels pendant lesquels on peut faire le point, mais les attendre ou en être déçu, c'est pas la solution. Donc les services RH des entreprises sont là pour ça. Après, quand on a dépassé un petit peu ce stade-là, quand on a été par exemple contacté par des chasseurs de tête, quand on commence à mettre un peu le nez aussi dans les offres d'emploi, voilà. Quand on est à ce stade-là, faut pas hésiter à contacter des cabinets de recrutement ou en parler à des tiers qui sont à la recherche d'un emploi ou qui en ont trouvé récemment, pour faire le point sur ce qui pourrait être fait et puis limiter les peurs de départ. Encore une fois, c'est ça. Et puis le dernier stade, c'est quand on sait qu'on va quitter l'entreprise, bon an mal an, c'est de contacter des professionnels de l'accompagnement et de la mobilité, parce que nous, on est à ce stade-là, et c'est de se dire comment je peux être accompagné une fois que j'ai pris la décision de sortir. Donc selon le stade où on en est, il y aura toujours un professionnel ou un tiers qui pourra aider. L'idée, c'est de ne pas être seul, c'est toujours la même dynamique. Et côté aussi entreprise, on peut aussi fidéliser ses salariés. L'enjeu, c'est ça. En fait, une entreprise, elle doit accompagner ses salariés sur la montée en poste. Pour rappel, il y a quand même la loi qui oblige. Il y a un cadre légal. Il y a un cadre légal, exactement, qui impose aux entreprises, en tout cas qui encourage lourdement les entreprises, au maintien de l'employabilité de ses salariés. L'idée, c'est de se dire, je ne peux pas me cantonner à une tâche pour un salarié, quelqu'un qui a fait du conditionnement de saucisson, par exemple, pendant 20 ans. S'il n'a pas été formé à d'autres tâches, il prend un risque sur le marché de l'emploi. Si l'entreprise demain ferme, quel est le poste auquel il va pouvoir prétendre? C'est de la responsabilité de l'entreprise que d'avoir anticipé ça et d'avoir proposé des formations tout au long du parcours professionnel de son salarié. Donc ça, c'est une des choses, c'est le côté lourd et légal. Par contre, il y a d'autres choses qui sont vraiment intéressantes quand on est une entreprise. Même les toutes petites peuvent avoir accès à des prestations RH. Nous, on accompagne des entreprises sur faire des fiches de poste, évaluer les compétences en interne, quelles sont celles qui sont nécessaires en externe, aller
chercher des formations, proposer des appuis RH pour faire le point, etc. Et tout ça est en plus complètement financé. Donc aujourd'hui, on a ces moyens-là pour les entreprises d'aider. Le tout, c'est de le savoir, c'est comme pour tout. Mmh. Donc d'en parler, de dire je ne sais pas comment fidéliser mes salariés ou j'ai l'impression que j'ai des salariés qui s'ennuient, qu'est-ce que je peux faire ? Il faut lever la main, il faut en parler, il y aura forcément des solutions. Et parfois, on a aussi la tête dans le guidon, on n'a pas le temps de se soucier. Parfois, souvent, oui. Et souvent et régulièrement, c'est vrai. C'est ça. C'est ce qui arrive, c'est qu'on ne prend pas ce temps, évidemment, pour se parler. Mm. On est dans l'activité, on est dans les priorités du travail. Oui. Et puis, il y a des peurs associées. C'est-à-dire que là, je dis ça comme si c'était évident. On sait bien que non. Hein. De dire à son collègue, je m'ennuie à mon poste, qu'est-ce que je peux faire ? On sait qu'on prend un risque. Et en fait, il y a énormément de peurs qui sont inhérentes au départ d'une entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose... C'est à partir du moment où on se dit qu'on a peur... Il faut solliciter un professionnel. J'ai peur de quitter mon entreprise, ça veut dire quoi ? J'ai peur du chômage, ça veut dire j'ai peur de la non-activité, j'ai peur du regard de mon environnement. Il peut y avoir plein de choses. Et tout ça, d'en discuter pour poser les choses et trouver des solutions, c'est vraiment très très intéressant. Ça peut être aussi des périodes charnières dans une vie où on adore son métier, mais peut-être qu'on s'interroge sur le fait de se mettre en indépendant, d'une reconversion complète. On aura tous plusieurs vies professionnelles. C'est fini le temps où on fait 50 ans dans une entreprise. Donc autant se faire plaisir, il n'y a pas que de la peur. On a Patricia qui nous appelle de Vendée. Bonjour Patricia. Bonjour. Soyez la bienvenue, on écoute votre témoignage. Merci. Voilà, moi je voulais savoir que faire pour une personne qui est en grande souffrance. Le métier aide-soignante, mais dans la fonction territoriale. Et là actuellement, bon, elle est en arrêt de travail, elle adorait son métier, mais elle ne peut plus. Ça fait 10 ans qu'elle fait ça et elle ne peut vraiment plus, elle n'y arrive plus. Et par contre, au niveau formation, il y a un blocage. Par rapport à sa hiérarchie, disons qu'elle sent qu'il y a vraiment un gros frein. Ils mettent en avant la question financière, mais bon, du coup, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait plus. Reprendre ou démissionner. Voilà. Bonjour voilà. Patricia. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, par rapport à ce que vous me dites, cette personne qui est en poste, en effet, est en souffrance. Et donc, ce que je comprends, c'est qu'elle a atteint aussi ses limites. À partir du moment où on est en arrêt, c'est qu'on n'a pas été soutenu ou accompagné comme il le fallait avant. Il y a des spécificités qui sont liées à la fonction publique, mais elles ne sont pas si décalées que ça du secteur privé. L'idée, c'est évidemment de ne surtout pas démissionner parce que ça occasionne une perte de droits et puis on pourra en reparler. Réintégrer son poste en sachant que ce n'est pas physiquement possible, c'est évidemment pas une solution. Après, il y a plusieurs négociations possibles. Cette personne peut être dans le cadre d'une rupture conventionnelle avec une négociation d'accompagnement de sortie, ce qui est rarement envisagé malheureusement dans la fonction publique territoriale parce qu'il y a aussi des raisons de moyens. Après, elle peut aussi engager un bilan de compétences et des formations, sachant qu'elle peut avoir deux ressources. Elle peut avoir la CARSAT, par exemple, qui va l'accompagner sur cette sortie pour éviter l'inaptitude ou l'incapacité au poste. Donc il y a des dispositifs qui sont là pour ça. Et puis il y a des solutions envisagées en termes d'accompagnement RH pour retrouver un emploi via des ateliers, via des techniques, etc. L'idée c'est d'être accompagné et de ne pas rester coincé parce qu'en fait les dégâts vont être beaucoup plus conséquents. Il ne peut pas y avoir juste une simple alternative, soit vous reprenez votre travail, soit vous démissionnez. Ce n'est pas entendable de la part d'un employeur, d'accord ? Parce que ce qui va se passer à la fin d'un arrêt long, c'est que la CARSAT, enfin la Sécurité sociale, peut arrêter complètement un salarié. Et là, l'idée, c'est de trouver un autre emploi, non pas être en invalidité. D'accord ? Donc voilà, l'intérêt, c'est de solliciter dans ce cas-là l'OPCA. Alors ça vous parle peut-être pas forcément, mais c'est d'aller au service RH, de demander qui va être responsable de la formation, parce que même s'ils disent qu'il y a un budget qui est moindre, il faut pas passer à côté, parce que vous avez un compte CPF que tout le monde a, ce n'est pas qu'une question de fonction publique ou de secteur privé, et vous pouvez aujourd'hui être parfaitement autonome sur la recherche de formation, sur l'engagement dans un bilan de compétences, et il faut vraiment le faire. Voilà, Patricia. D'accord. On va rappeler, d'accord. Vous avez parlé d'organismes, on les a entendus, mais on les a peut-être pas notés. C'est-à-dire qu'en fait, quand on peut avoir des accompagnements. On parlait tout à l'heure d'aller voir la RH quand on s'ennuie à un poste. On peut aller en parler à des tiers. On peut avoir des consultants mobilité qui interviennent quand il y a une rupture. Mais il faut penser à d'autres organismes comme les OPCA. Alors le plus gros que tout le monde connaît, pour que ce soit plus clair, c'est le Fongessif, par exemple. Mais chaque employeur a son OPCA et c'est eux qui vont financer des formations, prendre en charge une partie des formations. Le compte CPF. Tout ça. Alors, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on pourrait faire, je pense, 10 émissions juste pour comprendre le concept. Là aussi, faites-vous accompagner. La
RH de votre entreprise, un cabinet comme le nôtre, contacter des experts pour vous expliquer les choses, pour pas passer à côté. En fait, le risque, c'est qu'on capitule avant d'engager une formation, tellement c'est compliqué. Ça va changer, la réforme est en cours, mais pour le moment, passer un petit coup de fil avant de prendre une décision, ça n'engage à rien. Voilà, Patricia. D'accord, merci beaucoup. Merci Patricia. Merci, bonne journée. On poursuit à La Vie en Bleu, on parle évidemment de ce mal-être au travail. Je veux quitter mon emploi, je veux sortir de l'entreprise. Quelles sont les solutions pour moi? Alors, attention, hein, évidemment, on met ça entre guillemets, hein, c'est évidemment pas facile, hein, c'est pas un claquement de doigts. C'est pas un claquement de doigts et c'est surtout pas un claquement de porte. Je le répète assez régulièrement, fermer une porte, c'est pas la claquer. Quand on la claque, on met un terme à une relation et du coup, on ne construit pas la suite. Nous, on a des accompagnements de personnes qui ont quitté leur poste de cette manière-là. Il y a un travail de deuil qui est assez compliqué, il y a un sentiment de culpabilité, c'est vraiment pas l'idéal. Alors j'entends bien certaines campagnes aujourd'hui qui vous disent si vous êtes malheureux, soyez heureux, osez démissionner. Je suis pas en accord avec ça, ça n'engage que moi. Mais l'idée c'est plutôt de construire une sortie et puis d'avancer vers des projets, identifier des freins, ça se trouve on peut rester au poste, ça se trouve on peut se reconvertir, il y a plein de choses à prendre en considération. Donc la démission n'est acceptable, entre guillemets, que ce soit pour une entreprise ou pour un salarié, que quand il y a un autre projet professionnel qui est déjà engagé. Et du coup, on peut démissionner pour atteindre une autre entreprise. L'autre issue, c'est le licenciement. Hein, une entreprise qui, malgré des accompagnements ou des prestations RH, n'a pas su restructurer son entreprise et est en difficulté ou veut se séparer d'un talent, peut faire un licenciement. Ça peut être négocié aussi pour un départ. D'accord ? Et puis après, on a la rupture conventionnelle classique, qui est la plus posée des façons de sortir dans une entreprise quand elle est possible. On peut négocier des accompagnements, des formations, et là, ça devient vraiment intéressant. L'idée, c'est avant d'engager un de ces trois processus, de contacter un professionnel, ça c'est sûr. Voilà, on voulait donner un coup de projecteur hein, sur ce mal-être au travail. On aura des précisions, évidemment, vous êtes là, présente sur le secteur de Nantes, hein, cabinet potentiel. Voilà, et si vous voulez réécouter cette émission, vous pourrez la podcaster hein, d'ici à quelques minutes. Merci Nolwenn Mahé. Merci à vous. Et vous l'avez compris, il va falloir revenir hein, très rapidement, parce qu'il y a plein d'interrogations, évidemment, sur le fait de cette bienveillance au travail. Vous êtes dirigeante et consultante en mobilité professionnelle au cabinet potentiel à Nantes. Merci à vous.